Welcome back. You're still on to Good Morning Cameroon and STV. And it's a little over 7 a.m. It's time for the press review. Good morning, Peter. Good morning, Mandos. How are you today? I'm good. How are you? I'm great. Bonjour, Peter. Bonjour, Christian. Moi, je suis en très classé. Right, so we're going to look at the newspapers in Cameroon, the subjects that have caught your interest today, and we're going to begin with the Anglophone Press. Peter, today we could lay hands on two newspapers. We're going to start with you, obviously. Yeah, we are starting this morning with the Guardian Post, and the obvious story which has been animating the public is, of course, the arrest of the president of the Ambazonia separatist movement, Seseko Julius Ayok Tabe, and 46 others who have been extradited to Cameroon, as government has revealed 48 hours ago. And following that arrest, the arrest has packed up a ripple effects, especially in the two western regions, the northwest and southwest regions of the country. And that is what caught the attention of the Guardian Post newspaper this morning. The Guardian Post says that panic grips Bamenda after rumor of attack by Ambazonia forces. That was yesterday. In Bamenda, parents hurriedly withdraw their kids from school for fear of the unknown. You get developments about that on page 3 of the paper. Is my mic okay? Yes. Okay. Yeah, thank you very much. Just like I mentioned, you get details about the panic that gripped inhabitants of Bamenda in the northwest region following the arrest and extradition of Seseko Julius Ayok Tabe on page 3 of the paper. Still talking about security, the Guardian Post says that 10 Muslim leaders are in court for hiding Boko Haram suspects in their mosque. You want to find out the charges that have been leveled on them, as well as their chances of coming out clean from this case. You get developments on that on page 3. On page 2, it is a disturbing health development which has rocked the capital city, Yaoundé. Three members of the same family die of strange disease in Yaoundé. Public health minister has dismisses the rumor that their deaths are linked to the Ebola virus. You will find out details about that on page 2. And also, the Guardian Post says that the Cameroon Waters Utility Corporation, Camwater, has lost over 16 million francs CFA to false starts. You find out for yourself how possible is that on page 3 of the Guardian Post. And finally, in this other mal-watching human interest story, wife seeks divorce from husband who abandoned matrimonial home over mounting debt. You find out the details on page 2 of the Guardian Post. We'll quickly now make a turn to Cameroon Tribune, which is a government bilingual daily. Cameroon Tribune takes us into the mining sector in the country, where government is launching a fight against corruption in this sector. And following heavy financial losses in the mining domain, Cameroon Tribune says that the public finance institutions in Francophone Africa have started meeting yesterday, January 30, 2018, in Yaoundé to examine ways to curb the negative trend of corruption in the mining sector. You'll find out the stakes on page 5 of Cameroon Tribune. And on from page 20 to 22, it is a discovery in of the Kom culture in the northwest region of the country. Cameroon Tribune says that the traditional ground of the Kom people of the northwest region is a tourism destination by excellence. The taste of distinguished African meals coupled with the legendary hospitality of the people will easily win the hearts of visitors. This is a discovery into the culture of the Kom people in the northwest region of the country. Just like I mentioned earlier, you flip from page 20 to 22 for details on this exclusive, but rather in-depth incursion into the Kom culture of the northwest region. Well, thank you very much, Peter. So, that's it for this first part of the press review this morning on Good Morning Cameroon. We are now going to look at the second part in the French language. And my dear Chris, since Narcisse is not around today, you're going to have to handle that. You're going to have to handle that. Bien sûr. J'espère pouvoir y arriver. Hein. Oh, you will. C'est ça. Alors, Cameroun, on va démarrer avec Cameroun Tribune ce matin, qui consacre à une violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les instigateurs face à la loi, comme nous dit le journal de Marie-Claire Nana ce matin. Menaces et intimidations à l'endroit de la
notre communauté éducative, attentat à la bombe artisanale, profanation des symboles de l'État, assassinat d'éléments des forces de l'ordre, entre autres. L'escalade terroriste a graduellement pris des proportions inacceptables au fil des semaines. Ceux qui ont commandité ou encouragé ces actes vont bientôt répondre devant la justice, comme nous dit le journal, la page 2 à la page 3 ce matin. Fermez un peu la porte, Manda, s'il te plaît. Merci. Hôpitaux publics, donc, dans mutation ce matin, le business de la césarienne. Enquête sur les coûts pratiqués par les accouchements nécessitant une intervention chirurgicale. À la page 11, plus de détails. Et puis, Extrême Nord, 172 enseignants du secondaire désertent, comme nous dit mutation ce matin. Et puis, session du secrétariat d'État à la Défense, la journée des avocats des sécessionnistes est relatée à la page 5. Du journal ce jour. Le messager est également en kiosque ce matin. Affaire Ghana. La suite, c'est au Congrès américain. Le messager publie l'intégralité de la résolution prise donc par la Commission des affaires étrangères condamnant les actions entreprises sur le gouvernement par le gouvernement camerounais à l'égard donc de l'écrivain et même des autres activistes anglophones. La fièvre hémorragique s'agissant de la santé est au menu de la page 5 et c'est une mise en garde du ministre de la Santé que vous y trouverez justement dans ces colonnes-là. Ayuk Sissoukou et compagnie en main de justice, les révélations qui contredisent le Cameroun sont à retrouver à la page 3 de Messager en kiosque ce matin. Ce qui nous amène à un repère pour qui l'information d'abord le journal consacre sa une à la rentrée économique. Les grands chantiers agricoles du Minepat dans le Mungo sont à retrouver de la page 7 à la page 10 du journal ce matin qui s'intéresse également aux télécommunications en nous disant que des ex-employés de Vodafone Cameroun recusent le liquidateur à la page 12 plus 2 détails. Population et habitat, pourquoi le recensement général coince? C'est la question qui est posée donc à la page 14 de repère. Peut-être un semblant de réponse s'y trouve. Info matin, le quotidien est en kiosque ce jour. Les présidentielles font l'objet de sa une vers l'exclusion de Joshua aussi du SDF approché. Ni John Fondi réitère sa détermination à exclure tout membre du parti autre que lui qui fera donc acte de candidature à la magistrature suprême. Ça, c'est Info Matin qu'il dit à la page 3. Vous en comprendrez davantage. Riz, sucre, poisson, entre autres, s'agissant de denrées de première nécessité, surabondance dans les marchés. À la page 2, le journal nous relate. Hein, c'est un petit reportage d'ailleurs que vous retrouvez dans le quotidien sur plusieurs places marchandes de la République. Et puis, le journal s'intéresse aux fédérations sportives. C'est une nouvelle Olympiade sous fond de tension, comme le dit le journal à page 5, 6 et 7. Les exécutifs s'activent donc à lancer les saisons sportives 2018 conformément aux prescriptions du MINSEP. Bidon Pat, lire tout le dossier sur la question dans les colonnes d'Info Matin ce jour. Et puis eau potable, réhabilitation du système au sud-ouest. Le chef de l'État a signé le 29 janvier dernier un décret habilitant donc le MINEPAT, lui Paul Motazé, a conclu avec la Société Générale un accord de prêt. La nouvelle expression est également en kiosque aujourd'hui. Affaire Ayuk Tambe fait l'objet de sa une. Les révélations de l'un de ses avocats à lire donc à la page 3. Maître Femi Falana, puisqu'il s'agit de lui, parle des démarches qu'il a engagées auprès du gouvernement nigérien. Et l'entorse au droit international qui caractérise donc cette opération qui s'avère riche en rebondissements. La température du côté de Bamenda est donc à retrouver dans les colonnes de la nouvelle expression en kiosque ce jour. En petite fenêtre, porte de Kribi, manœuvre autour du terminal en retirant donc le marché d'exploitation du terminal polyvalent au groupement Ecotrans KPMO devenu TPK. Le Premier ministre a donc joué le jeu des réseaux mafieux. Diplomatie, le conseiller spécial de débit Itno dit, je cite, le Tchad
s'est félicité que le Cameroun ait pu neutraliser ces criminels qui voulaient déstabiliser la Guinée équatoriale. Parallèlement, confident Ibrahim Ahmed de Koulamala, qui est le conseiller spécial, il faut le dire, de Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Anafout, 2636 candidats sur la ligne de départ. Ce chiffre émane de la présélection effectuée dans les 10 régions entre le 18 décembre 2017 et le 28 janvier 2018 pour intégrer donc cette Académie nationale de football. L'indépendant est en kiosque ce matin. Panique dans le sérail, on peut le voir à la une du journal. Les premières révélations d'Ayouk Tambe sont à retrouver à la page 6 et à la page 7. L'exploitation du leader sécessionniste et ses compères, j'imagine, par les services secrets camerounais nourrit déjà des rebondissements dans une crise anglophone alimentée ou même soutenue par les figures insoupçonnées des pontes du régime éclaboussé. Il faut lire l'indépendant ce matin qui dresse quand même les forces et les faiblesses de la coalition et même de l'opposition s'agissant de la présidentielle à sa page 3 ce jour. Le du Sahel est en kiosque. Le hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun consacre sa une. Nous fait une petite alerte à sa une. Un antipaludéen contrefait vendu en pharmacie. Vous verrez d'ailleurs le journal, justement, le nom de cet antipaludéen. Il s'agit de Coarinet. Si jamais vous tombez sur ce médicament-là, il faudra faire attention. De toute façon, il faut aller lire les colonnes de l'œil du Sahel dans la page 3 ce matin. La lèpre est une maladie faiblement contagieuse, comme nous dit ici le docteur Paul Iyawa Tankoung dans une interview qu'il a accordée donc à l'œil du Sahel ce matin. Lui, il est responsable de la délégation régionale de la santé publique pour l'extrême nord et du côté de Yaoundé. Le Minepad plaide pour la diversification de l'économie camerounaise et dans la localité de Mbé, l'ancien maire Robert Iya aurait été enlevé, comme nous dit le journal à la page 6, qui nous ramène quand même dans la confusion qu'il y a eu au sein du parti de Bello Bouba du côté de la Bénoué. Le quotidien de l'économie est en kiosque aujourd'hui. Ça fraude dans les chantiers miniers, comme on pourra le voir dans un instant à sa une. Les nouvelles pratiques de corruption et de fraude coûtent cher à l'économie nationale ainsi qu'aux populations riveraines dans les chantiers miniers. Stratégie, 5 étapes pour réussir son entreprise. La recette est donc proposée par Emeline Athéna, la promotrice de A Consulting. TA Consulting, c'est un cabinet spécialisé donc dans les questions de stratégie et de développement d'affaires. Endettement, les réserves du FMI sur les emprunts du Cameroun sont à retrouver à la page 6 et à la page 7 du journal. Éco-Matin est également en kiosque aujourd'hui. Économie et finances, ce sont leitmotiv. Couverture médicale universitaire, c'est ça une. Pas si sûr de toucher tout le monde, comme le journal le dit ce matin dans une analyse qu'elle nous propose dans ses colonnes. Et puis la solidité du secteur menacée par le volume important des arriérés des sociétés à capitaux publics, s'agissant donc des banques. L'indépendant est en kiosque ce matin. Panique dans le sérail. Donc, on pourra retrouver, et bien sûr, les premières révélations d'Ayouk Tambe dans le journal. L'autre hebdomadaire, Le Soir, est des nôtres ce matin. JICAM, voici les 43 entreprises radiées que vous retrouverez donc à la page 3 du journal ce matin, qui nous dit quand même qu'au terme de sa session tenue le 12 janvier 2018, le conseil exécutif du JICAM statuant donc sur la situation financière de ses membres vis-à-vis du groupement et conformément donc à l'annonce faite lors de l'Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2017, a donc résolu de la radiation de 43 entreprises en cessation de paiement depuis au moins 2 ans. MINES, donc ministère de l'eau et de l'énergie, les grands chantiers d'Atanganakuna, passé au scanner à la page 4 à la page 5 du journal, qui nous dit qu'après un parcours digne d'intérêt en 2017, le ministère de l'eau et de l'énergie compte mener un déploiement imposant en 2018 au travers de son plan de performance. L'anecdote est en kiosque ce matin. Le journal de Jean-Pierre Amougou Bellinga nous ramène dans la crise anglophone. Ayouk Tambe et compagnie bientôt
à la barre lors d'un point de presse tenu le 29 janvier dernier à Yaoundé. Le ministre de la Communication a confirmé l'extradition des leaders ambazoniens. Les sécessionnistes donc gardés au CED seront signifiés sur les chefs d'accusation très bientôt. À la page 3, vous pourrez avoir plus de détails. Menois Actu est en kiosque ce matin. Le journal de Simaro Mebengo nous parle de poupées sexuelles, ce nouveau mouvement, ouais, c'est cette nouveauté, on a envie de dire, qui est une invention luciférienne, comme le dit le journal, qui menace donc nos valeurs traditionnelles. Le taux de mariage, les taux de mariage vont diminuer, selon l'analyse faite par Menois Actu Hebdo. La dot pourrait disparaître, les hommes deviendront plus irresponsables, les couples vont se disloquer. L'espèce humaine est menacée de disparition. La femme sera chosifiée, donc conçue de différents modèles, dont ces poupées que l'on présente aujourd'hui comme des bêtes sexuelles et qui coûtent nettement moins cher que l'enveloppe d'une dot, pourrait donner des idées saugrenues donc à certains Camerounais. Le journal Abtchi Hebdo est donc en kiosque ce matin, qui parle quand même, s'intéresse quand même à la diplomatie. L'Union européenne et les mairies échangent sur la décentralisation. Et puis la circulation urbaine du côté de Yaoundé, les embouteillages paralysent la cité capitale politique. 3 ans plus tard, Johnny Baleng continue de pleurer. Françoise Fonink, bien sûr, pour se rappeler de la mémoire de cet illustre disparu. La voix du centre, pour terminer, est également en kiosque ce matin, dépigmentation. C'est l'objet de sa une. Un phénomène qui prend de l'ampleur. Avoir la peau noire et en être fier, la dépigmentation artificielle favorise aussi la gale, comme nous dit donc le docteur Iftine Ousmane Moussa dans un dossier que la Voix du Centre vous propose ce matin, de la page 6 à la page 7. Crise anglophone et forme de l'État, ce que Salmon Tandemouna m'avait dit. À la page 12, vous aurez ces révélations. Et puis Ferdinand Gongo accusé de polluer la rivière Minta, s'agissant de l'environnement. Voilà un petit peu le contenu des journaux parus en rédaction ce matin à mes téléspectateurs. Je crois que Manda, il me faut un bon verre d'eau pour me remettre. Yes, that will be taken care of. But before that, before I go get your bottle of water, let's go get this song and then we'll talk more when we get back.